Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo découverte, une nouvelle vidéo découverte d'un jeu de survie. On colle à l'actualité vu qu'il est sorti le 6 février. Donc c'était samedi dernier. Vous allez la voir là le 9 dans l'après-midi. Je l'ai calé là, moi je la tourne le 8. C'est un jeu donc comme je l'ai dit de survie après une apocalypse où apparemment on va se réveiller dans un immeuble au 40e étage et à l'extérieur de la ville il y a un gaz mortel et il va falloir survivre du coup à première vue dans cet immeuble avec tout un tas de zombies et d'infectés. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas forcément ce genre. Mais voilà, c'est pour présenter et coller à l'actu, hein. C'est un jeu que j'ai découvert il y a très peu de temps. Qui a pop sur Steam comme ça dans ma liste de découvertes et j'ai demandé une clé au dev, je l'ai reçu ce matin. Donc c'est un jeu qui est à 11,59€, mais actuellement il y a une petite promo sur Steam de je crois de 20%. Il est en anglais et il est sorti en Early Access et on va découvrir ça de suite ensemble. C'est parti. Un jeu de survie de plus, hein, que je vous ai pas présenté dans le top 20 des jeux de cette année à sortir, tout simplement parce que je le connaissais pas. Comme je vous l'ai dit. Et donc on est parti. Ah d'accord, ok. On a été réveillé par une alarme. Donc vu à la troisième personne, on a le jour et l'heure en haut à gauche. On a en bas à droite nos jauges. Donc faim, soif, sommeil, température, la barre de vie. Donc là tout est en baisse. Il y avait aussi un truc de craft là. Il n'y avait pas une clé à molette qui s'est affichée. J'ai cru. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? Des étagères. On a un sac à dos. On a un inventaire avec donc 10 slots. Ici, à première vue, on a des petites icônes hein, qui nous indiquent des choses. Ah non, pardon, c'était un truc de loot. Non, je vais pas faire ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc les stats un peu plus détaillées. L'interface est simple mais claire. On a vu un peu plus joli, mais on a surtout vu pire dans les jeux de survie. Donc ça, c'est pas mal. On a plusieurs effets. Donc un peu froid, on nous suffoque, on a peut-être trop chaud. Une infection, d'accord. Le saignement, nourriture empoisonnée et on est cané. On est crevé. Très bien. Donc ensuite, ici, je vois qu'à première vue, on a des choses. On peut looter. Donc... partie d'outils, une canette et une canette vide. Donc on peut dormir là si on le souhaite. Ici on a l'air d'avoir un établi. You need a workbench, ok. Donc là il faut réparer la workbench avec du métal scrap et du bois. Donc ça va être notre quartier général, j'ai l'impression ici. Et là il faudra d'abord réparer la workbench. Donc ici, hop. You need... Ok, j'ai besoin d'un lockpick. Un petit crochet pour ouvrir ça. Ça, c'est quoi? Alors, barrel, on peut l'upgrade. Donc, ça peut servir de feu de camp, en fait, hein. La seule source de chaleur. De feu, pardon, pour cuisiner. D'accord, des trucs plutôt basiques. Allez, ben, on va loot. Ok. Donc, là, on est sur le toit, hein, en fait, carrément. On va looter tout ce qu'on peut. Là, il me faut un lockpick. Et des clous. Là, il faut un pied de biche. Quoi? Là, il nous faudra la work. Oh, il y a beaucoup de choses à réparer, apparemment. Papier, quoi? Là, il nous faut un lockpick aussi. Donc, il y a des endroits où on sait ce qu'il y a dedans. Il y a des endroits où on sait pas du tout. Là, il faut un pied de biche, pied de biche. Là, il va falloir des scies. Ok, ah, c'est simple. J'aime bien l'idée de départ là, j'aime bien. Un piège. Je pense qu'avec tout ça, on va pouvoir réparer. Certainement pouvoir réparer la workbench. Ça paraît logique. Là, il faudra une scie. Oh, là, c'est beaucoup plus long à fouiller. Tiens, pendant ce temps-là, on a toutes nos jauges qui diminuent. Inventaire full, d'accord. Eh bien, on va aller voir déjà si on peut réparer la workbench. On va commencer par ça. Alors, il me manque juste deux planches.
Bien, donc je vais me faire un peu de place. Je vais notamment... Attendez, c'était où le rangement? C'était là. Je vais notamment poser pour l'instant bah, ça. Ok, et tout ça, ça va servir. Impec. Allez, du bois encore. Du bois. Alors à première vue, on n'a pas de jauge d'endurance. Là on va pouvoir monter. Donc ici, qu'est-ce qu'on... Oh, on a plein de choses. Très bien. Là peut-être une bouteille d'eau. Ah elle est vide. Ah j'ai eu de l'eau mais de l'eau sale. Ici on va pouvoir faire des cultures. C'est cool. Pour l'instant, le démarrage, je le trouve très sympa. De ce petit jeu. Ah, je suis full. Donc, on va retourner là-bas. On va essayer de voir si on peut faire de l'eau propre avec notre eau sale. J'ai pas fouillé là non plus. Ouais, il y a tellement de trucs à fouiller. Alors, on va commencer par ça. Ici. Comment je mets les choses? Je vais mettre ça et... Alors, je vais d'abord réparer la workbench. Voilà. Ouais, c'est classe. Et on peut l'upgrade, donc elle est level 1. Filter level 1. Ah. D'accord. Donc, ensuite, on a la hache. Ok. Ok, donc du coup, très bien, on peut réparer les autres ateliers, j'ai pas les compos mais ça roule. Sur nous là j'ai deux slots de libre, du coup je vais mettre un peu de bois. Je pense qu'il va m'en falloir deuxième, pendant ce temps là je vais aller looter un peu. Ah bah on a la scie qui est cassée. Est-ce que je vais pouvoir tout prendre? Oui. Ah ouais, il y a tellement de trucs. Alors attendez. Je vais retourner au petit baril. Ouais, ça avance. J'aurais quelque chose pour boire. Qu'est-ce que je pourrais ranger là? Ça va. Okay, ça va être prêt. Parfait. Donc, est-ce qu'on a l'indication de combien ça remet? Oui. Plus 40%. On va la boire, ce sera fait. On va aller finir de looter là-bas. Ah, je vais réparer la hache, si je peux. La hache, pardon, la scie. Alors, il me faut... Ah, il me manque un tool spart. Ok. Et ce que je mets dans le... Ce qui est cool, c'est que je... ce que je mets dans le... mon casier, là, dans mon coffre, on va dire, bah, ça peut être utilisé pour faire les crafts à l'intérieur. Ça, c'est une bonne chose. Je suis pas obligé d'avoir tout sur moi. Donc là, il faut pied de biche. Ça, on va récupérer ça aussi. Par contre, ouais, il me faudrait un tool spart de plus. Là, j'en ai pas eu. Biche, là-bas, on a tout fouillé. Et ici, ça. Donc là, il y a du tool spart. Voilà. Mon sixième. Je vais pouvoir faire la scie. Allez. Oui, donc l'endurance, j'avais pas vu. Hein. C'est l'icône apparaît à droite. Il va vraiment falloir que je mange assez rapidement.
j'imagine que quand on va dormir, eh ben, ça se met ici, ok. Donc, je vais poser toutes mes ressources en fait. Hein. J'ai pas besoin d'avoir tout sur moi, je garde juste la scie. Alors, à voir si la scie va s'abîmer avec le temps. Donc, on peut scier ça. Ça, j'imagine, ça va être pour commencer à descendre dans les étages. Hein. Approcher. On va pouvoir récupérer du bois. Des clous. Allez. Parfait. Ensuite, on continue. Donc là, ça c'était quoi déjà? Ah, le truc pour filtrer l'eau. Là, j'ai pas. Là, on avait fait. Ici, il va y avoir des choses. Regardez l'état de notre scie après, il est 21h50. Donc, je pense pas qu'il y ait d'usure. Hein. L'interface me fait énormément penser en fait à l'interface de Night of the Dead, pour ceux qui connaissent. Hein. Dirais ce que vous en pensez. Je trouve qu'elle est très proche. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut scier ? Avant que je monte voir. Ah ouais, déjà j'ai ça à prendre. Voilà. Je pense qu'ici c'est bon. On va aller voir sur le l'héliport peut-être. Je sais pas si c'est un héliport, mais un peu plus au-dessus. Ce serait bien que je trouve quand même à manger. Quelque chose à grignoter. C'est bien un héliport. Un max de ressources. Après, il va falloir que j'aille dormir, par contre, hein, clairement. Il ne reste plus beaucoup de stamina. Pas de stamina, de fatigue. Et on commence à avoir froid, en plus. Ah oui, il y a une jauge qui se remplit. Ok. On va rentrer. Qu'est-ce qu'il me faut ici pour réparer ? Il me manque des boulons et une espèce de lingot. Ça continue à monter là, le froid là. Attendez. Ok, ça va bien. Waouh! Et la nuit, du coup, comment on fait par exemple, pour dormir. Voilà, je me pose vraiment la question. J'ai la température qui est en train de remonter. Et du coup le froid qui baisse un peu, mais c'est chaud quoi. Ça, on peut pas fermer hein. D'accord, non. Donc, je vais être obligé d'aller dormir. Je vais mettre un peu plus de bois peut-être. D'en trouver assez facilement. Et puis bah go dodo hein, j'ai pas trop le choix. Alors on va faire une save. C'est ici ce qu'on sauvegarde. Et dormir. Alors fatigue. Voilà. Donc, du coup normalement le bidon va rester allumé. Et surtout j'ai
pas trop décédé encore de mes jauges, de mes autres jauges. 6h50 du matin. Et on va continuer de fouiller là-haut. A l'air de faire très chaud. Alors le but c'est de trouver, d'attendre les secours. Hein. Donc vous voyez, il faut 12 jours. D'accord, on a l'info. Et il faudra trouver une fusée de détresse. Et il faut survivre 12 jours encore. Et quelques. Si on veut s'en sortir. Là, y a rien. Ok, là on a plein de trucs. Allez, c'est parti. Faut vraiment que je trouve à manger par contre. Hein. Et il va peut-être falloir commencer à descendre dans les étages. Ça. On n'a pas d'armes. Ici, il n'y a rien. Là, on ne peut pas y aller. Il nous reste ça à fouiller. Là-bas, apparemment, il faut un pied de biche. Ah, j'ai eu des graines. Ok. Bon, bah on va rentrer. Il me reste ici, c'est des tools part. Il me manque, il reste 3 tools part à récupérer. Ah, attendez, je vais aller mettre la graine. Je sais pas si juste mettre une graine comme ça, ça va suffire. Ça m'étonnerait. J'ai pas fait gaffe à l'interface, mais. Donc, requiert seed, on met ça. Je peux ajouter du fertilisant pour une production plus rapide. J'ai pas. Ah, il faudrait que j'arrose. Haha. J'ai pas. Je peux pas réparer le filtre à eau pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là, je suis quand même super mal parti. Hein. Je veux pas dire, mais. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Là, je peux faire ça. Alors, je sais pas à quoi ça sert, hein, mais. Je peux faire du fabrique avec. D'accord, avec ça. Pour upgrade. Ok, on est loin de le faire. Ça. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Ça, c'est quoi? Des clous? Non. Attendez. J'ai un peu, par contre j'ai clairement plus d'eau. Là j'ai 2 bouteilles vides. J'ai pas trouvé de source d'eau. Bon bah go go explorer hein. J'ai pas le choix hein. Alors bah étage 39. Unlock. Waouh. Go. Donc petit temps de chargement. Ok. En fait non. je respire pas. Mais à quoi me sert en fait ça là? Pour filtrer l'air toxique, mais comment je l'équipe? Je peux pas équiper ça. Ah, attendez, il y a quelque chose que je comprends pas. Parce que je peux pas descendre en fait là. Ça alors.
Craft. Craft. Ok, ça a une durabilité. Ça, je verrai, parce que si je trouve une bouteille d'eau, peut-être que je peux combiner. Je sais pas, on va voir. Alors on va voir combien de temps ça peut durer, ça, parce que... Ah! Ah, il m'aurait fallu des bouteilles d'eau. Ok. Il m'aurait fallu des bouteilles d'eau. J'aurais pas pensé, hein. Et au pire, on va retourner chercher des bouteilles d'eau après. On va juste looter un peu. Donc là, je peux pas. Ok, ensuite. Ah, bah j'en ai craft un pour rien, quoi. Du coup, j'en ai un d'avance. De tape, lampère, ça va. Ah, ah purée, il me faut vraiment une bouteille d'eau. Il faut clairement une bouteille d'eau, c'est fou. Ah ouais, j'ai soif. Ah ouais. Ah, ici. Regardez. Vite. Waouh. Alors par contre, je vais en refaire. Ah mais c'est chaud, hein. C'est chaud. Attendez, je suis où là? C'est là-bas qu'il y avait les toilettes. On va boire aux toilettes, hein. L'eau du robinet, vous pensez qu'on peut pas la boire? Ouais, dirty water. Donc du coup, est-ce que je peux faire ça? Dump? Ça veut dire quoi, dump? Je l'ai jeté là, non? L'eau. Ah mais la source d'eau, c'est une seule en plus. Ouais, la loose. Par contre, il y a vraiment rien à manger en fait, hein. Je peux pas. Ok, je veux ça. Ça m'a rien remis. Super. Pourtant une tablette de chocolat, ça devrait un petit peu faire son taf, non? Hein? Papier. À mourir de faim. Hein. Je trouve pas de bouffe, donc. Je suis full d'inventaire. Il faut des crochets. Crochets. Bon bah les loulous, ouais, on va mourir. On va mourir. Que je trouvais un truc ici, mais il y a tellement de choses à fouiller en fait que c'est chaud, quoi. Là il y a des bureaux. Il n'y a pas de nourriture, hein. Par contre il y a les premiers items un peu intéressants, genre boulon, tout ça là. Et les premiers infectés.
pas la porte. Bon, on va mourir de faim, hein, donc. Ah, s'il y a à manger, attendez. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Je veux drop ça. Ah, il m'a pris le. Drop here. Ah, d'accord. Elle est sortie, effectivement. Je suis en train de m'étouffer. Par là. J'ai plus de stam. Aïe aïe aïe. Ouais, bon bah bye bye. Ok, c'est chaud hein. Wouah. C'est tellement dur. Ok, on va reprendre. Alors on a une autosave à 6h40. C'est quand on s'est réveillé le lendemain matin. Bah là on va tenter ça. Mais c'est méga chaud. Ah ouais, c'est Tandax hein. Donc première chose, on range les affaires. On n'a pas besoin. Voilà, ça, 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 je mange. Voilà. Ensuite, vite. Il me faut une source d'eau. Donc, est-ce que j'ai rangé une bouteille vide là? Ouais, j'en ai même deux. Ok. Je vais aller de suite. Ouais, le problème en fait, c'est qu'il faudrait que je refasse. Je vais aller de suite. Ouais, chercher à manger en fait. Hein. Ça. Ah oui, il faut que je fasse un masque. Mais c'est, ça va être super dur en fait. Ah, il me manque un tissu. Zut. Je suis obligé de. Je sais plus ce que j'avais fait dans la deuxième journée. Là, je peux pas ouvrir ça. J'avais trouvé du tissu quelque part. Certainement là-bas. Oh oui, c'est super dur, hein. Enfin, je trouve. C'est pas comme si j'avais traîné quand même à faire les choses. Je suis bien en galère quoi. On a 7 tissus. Les jauges baissent à mon goût un peu trop vite. Je trouve. Voilà, après c'est un avis perso hein, mais on a fait une journée de jeu, on est déjà mal en point, on a bu une fois, on a mangé une fois c'est tout juste si on s'en sort. La vie de biche, je peux pas. Je crois que j'avais un truc à récupérer là-bas. Il me reste un emplacement. En fait, la difficulté arrive peut-être trop vite d'un coup. Non, c'est pas là que j'avais oublié un truc. Et on est en galère très vite. Alors qu'il aurait simplement fallu en fait qu'ils nous mettent un peu de bouffe et de nourriture gratos dès le départ. Et alors par contre, est-ce que j'avais planté la graine la veille ou. La graine je l'avais trouvée après. Je sais pas, apparemment je l'avais trouvée après. Ok, bon bah. J'ai rien d'autre à casser là. Regardez, je suis déjà tellement mal en point pour. Ouais, donc là, il faut un fabrique. Il faut 4 bolts. Combien de bouteilles? Une bouteille. Fabrique, j'en ai un, mais il va me servir pour faire. Pour faire ça. Voilà. Ça, on l'équipe. On va manger ça. J'ai clairement. Ça remet rien en plus en nourriture. Non. Ça. Ça. Ouais, j'ai la graine, ça y est.
Là, il a planté. Il faut que j'aille absolument remplir mes bouteilles d'eau. Et que je vienne les purifier. Allez, c'est parti. Il faut que je prenne le deuxième masque à gaz qui est sur le côté et que j'aille tout de suite aux toilettes et que je ressorte en fait. Donc on vient là. Donc il y a au moins un infecté. Je sais pas trop comment on va se défendre par contre. Ok. Récupérer quand même les ressources vite fait. Déjà on va boire la fontaine à eau. Je sais plus où elle est par contre. Et on va remplir une bouteille. Voilà. On va remplir une deuxième bouteille. Récupérer tout ça. Si. Là, y a rien. Troisième bouteille. Parfait. Il faut absolument que j'aille boire là où j'avais trouvé de l'eau tout à l'heure. Ah, les loot, c'est aléatoire en plus. Faut que je trouve à manger. Mince. Bah voilà. Je me suis planté. En même temps, je me suis bien remis au niveau de l'oxy, mais... de l'eau, pardon, mais toujours rien à manger. Je vais pas passer par là pour aller voir Pépère. Clé. Ah, faut une clé aussi. Tu vas nous faire chier, j'imagine. Non, c'est bon, c'est fermé aussi ici. Là, faut un pied de biche. Bon, on va remonter là. Hein. J'ai rien trouvé à manger, donc toujours le même problème. Hein. J'ai rien à bouffer, quoi. En plus, je me suis empoisonné sans le vouloir. J'ai pas fait exprès. Je voulais vider ma bouteille et du coup, je me suis planté. J'ai pas rempli mes bouteilles. Je les ai vidées. Oh là là, j'ai fait n'importe. Oh, ça m'énerve. J'ai vidé mes trois bouteilles en fait. Et on peut pas desplit. Ah, est-ce qu'on peut desplit en fait? J'ai pas l'impression. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Bon bah je vais mourir à nouveau. Alors ce que je vais vérifier, c'est. C'est chaud hein. Franchement, ça pardonne pas la moindre erreur. Dès le début. Alors, je trouve le jeu super intéressant, hein, c'est pas le problème. Hein, mais ouais, par contre, là. Mais du coup, ouais. Je peux rien faire. Hein. Masque, et le masque, c'est pareil, hein, il pète vite. Hein, il pète vite. Hein. Et je peux pas me battre hein, en plus. J'ai pas de. Backpack, weapon. Ouais, il faudra vraiment trouver une arme. Bon, on va load. Est-ce que je peux load? Pas là, peut-être au canapé. Je vais recharger ma sauvegarde parce que je me suis empoisonné. J'ai rien trouvé à manger. Ouais, je vais faire ça à la rigueur. Comme ça, on va mourir de. Ah bah, je peux pas. Je peux pas. Faut que j'attende. C'est chaud quand même. Hein. C'est méga chaud. Hein. Là, il faudrait une corde. Faire une corde, d'accord. Alors on va regarder ça ce que ça fait du coup. Ça débloque, ça a débloqué 4 slots, d'accord. Ok, allez, on fait une dernière tentative. Allez, toi. C'est parti mon gars. Donc, voilà, tu vas
j'ai ça. Donc il faut que je remonte sur le toit. Ça c'est la première chose, que je loupe tout là-haut. Je redescends. Là j'avais cassé les planches en bois. Ouais, il me reste vraiment à looter qu'ici en fait. Pour démarrer. Et il faut que je garde une bouteille vide pour boire à la fontaine. On peut pas boire directement, il faut vraiment un récipient pour pouvoir le faire. En descendant, on pose la graine. On va aller à la fontaine d'eau de suite, du coup. Ouais, il faut avoir... ouais, c'est du try and, die and retry, en fait, un peu. Hein. C'est... Ok. Alors, planter la graine, ça me rapporte rien de le faire. Et vu qu'il faut que je mette de l'eau derrière. Mais... Elle est déjà mise, elle sera déjà mise et ça me libère un slot d'inventaire. C'est surtout ça en fait. Donc on fait ça. Voilà. Après. On va craft un fabrique et faire le masque à gaz. Craft. Toi tu viens là. On va poser les affaires. Donc j'ai retrouvé à manger. Ah par contre j'ai voilà, deux bouteilles d'eau. Ok. Allez, on est parti. Donc ici on unlock et on go. Tout le temps hein, apparemment. Ici alors, ça chouine déjà. Ok, on fait ça. Et maintenant je vais remplir mes bouteilles d'eau. Je vais quand même récupérer ça. Je sais pas si on peut refermer les portes. Ouais, on peut. Ok. Niveau soif, je me suis bien remis. Là, on fait un premier. Deuxième. On va purifier tout ça si on peut. Il y avait moins de choses que d'habitude ici. J'ai juste allé là-bas de l'autre côté. Là je peux pas. Ici. Nails gun et gun. Ah, j'ai un pistolet à clous. Est-ce que ce serait pas une arme? Si, carrément. Ok, on va pouvoir se défendre un peu peut-être. Ça. Ici, faut du tissu. Alors, food poisoning. Ah, c'est une tablette de charbon qui permet de guérir l'empoisonnement. D'accord, je pensais que c'était une tablette de chocolat moi tout à l'heure. Et par contre on trouve, j'ai pas de bouffe quoi. J'ai vraiment pas de bouffe. Bon, on va retourner à la base, on va purifier notre eau. La machine là, vraiment rien. Ah, c'est tellement dommage. Je trouve pas de nourriture, hein.
pas cool ça. Alors du coup, ici, on peut faire une corde. On peut faire le sac à dos. Voilà. Qu'on va équiper. Ensuite, ici, bouteille d'eau. Bouteille d'eau. Ah, je peux pas. Il faut que je l'upgrade, j'imagine, pour... On va aller arroser, du coup, les plantes. Bah, je vais mettre une bouteille d'eau non purifiée pour les plantes. Il en reste une, effectivement. Ça, ça baisse. Et ça, c'est en train de craft. Regardez, la jauge avance tout doucement. Ça va être long, hein. Je sais pas ce que ça va donner surtout, mais bon. Et on va poser les ressources. On va boire dès qu'on peut. On va mettre la deuxième bouteille d'eau aussi en préparation. Ajouter du bois. Et surtout ici, il manque juste les boulons pour réparer ça, hein. C'est dommage, hein. Parce que le fabrique, je peux le faire. Et on va le faire. On va faire un fabrique. Voilà. Arranger les ressources. Donc du coup, j'ai rangé ça, ça. J'ai besoin de ça. Bon, il y a de la place, ça va. Ça, je vais le garder. Hop. Hop. On va du coup boire. On n'a pas le choix. Et bah, il faut que j'aille... chercher quelque chose à manger. Okay. Ah oui, mais j'ai pas de clous du coup. Faut que je prenne des clous. Si je veux me défendre. Au moins tester de tuer un truc, quoi. On va prendre 20 clous. Voilà. Charger. Ici, go. On va aller direct là où il y avait un premier méchant. Ici on a fait. Je sais plus trop où c'était, hein, mais bon. Chose, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais la bouffe. Regardez ma jauge de nourriture, hein, je suis mal en point. Ah. Okay. C'est ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout, il y a la poubelle. On a trouvé la clé. Très bien. Notre copain le zombie là, il est où en fait? Je sais pas trop. Avant de remourir, j'aimerais bien le tester. En fait. Il est là. Mais au bout d'un moment tu meurs ou... Super. Donc, j'ai l'autre masque. Je comprends pourquoi on trouve tant de clous en fait. Pas ici, de toute façon je vais mourir de faim, hein, donc alors j'ai ouvert
En fait, le problème, c'est le temps de ça prend de faire ça, on perd énormément de faim, quoi. J'ai clairement pas résolu mon problème de faim sur le jeu, là, pour le moment. Ça, c'est sûr. On trouve... J'ai trouvé 3 paquets de chips en tout, quoi, depuis le début. Je crois, hein, quelque chose comme ça. Hein. Alors, ok, là, on a trouvé les clés qui permettent d'ouvrir certaines portes. Mais bon... pas ça qui va nous sauver pour l'instant en fait. Pied de biche, je peux pas, là c'est juste pour encore avoir des clous. Pour recharger du coup la clouteuse. Puis là je fatigue, donc il va falloir que je repasse la nuit. En fait en même temps il est bientôt minuit. Ah regardez, même dans les bâtiments il fait froid en fait. Ok, on n'a pas de source de chaleur. Là en fait il faut ressortir. Ah mais c'est il est très dur hein. Franchement il est vraiment très dur le jeu je trouve. J'ai moins de froid en fait. Là je peux boire et ça me fait une belle jambe, j'ai rien à manger. Donc on va remourir et puis bah on va s'arrêter là les loulous. De toute façon ça fait 46 minutes qu'on est sur le jeu. Donc, je trouve le jeu vraiment prenant. Franchement, hein, le jeu me plaît beaucoup. Par contre clairement, il est méga dur. On va réparer ça avant de mourir peut-être. Ça on va voir ce qu'on peut faire. Donc on peut faire ici les fameux lockpick, la barre de le pied de biche et un pistolet. Et ici, bon bah j'ai pas encore toutes les compos ici pour réparer celle-là. Bon bah on aura vu au moins une deuxième table de craft. On va mourir tout doucement. Je vais vous laisser là-dessus. L'effet sur l'écran aussi est plutôt bien fichu, je trouve. J'espère que cette découverte, cette nouvelle découverte du coup de Into the Haze vous aura plu les loulous. Je me suis bien amusé, franchement je vous le conseille. En plus il est en petite promo actuellement, donc je crois qu'il est à moins de 10 €. Et ceux qui aiment un peu les challenges et la difficulté, je pense que vous allez être servis. Donc bah voilà, je vais vous laisser là-dessus et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.